Bonjour YouTube, le nom du jeu est long, hein. C'est Curse Crackers for Whom the Bell Tolls. Encore, c'est. C'est BE2LE, hein. Donc, voilà. Je ne sais plus c'est quoi comme mode de, comme style de jeu. Et du coup, ouais, y a aucun jeu, c'est dommage. Aucun jeu qui m'intéressait plus que ça. Où est-ce qu'il est le jeu? Il est là. Alors, vous voyez pas le jeu, c'est normal. Hein. Ah, voilà. Waouh! Alors, visuellement, c'est compliqué déjà parce que j'arrive même pas à lire quoi que ce soit. Ah, voilà, ça y est, le jeu est là. Ah, oui, vous entendez pas le jeu? Attendez. Est-ce que ce jeu va accepter de changer de canal pour mon plus grand plaisir? Oui. Ouais, je me pose la question aussi. Ouais. Bébé. En fait, j'ai l'impression que c'est un jeu, c'est ça, un jeu qui aurait dû sortir sur Game Boy. Ils l'ont sorti les cartons fait. Oh, si on le sortait. Oula. Ah oui, c'est ce jeu-là. Ok, d'accord.
Je me souviens maintenant. C'est un jeu. En fait, vous pouvez. Ouais, c'est. Ça, c'est quand même. C'est pas mal fait, ouais. Il me semble qu'à un moment donné, vous pouvez. Ouais, voilà. Vous pouvez faire des trucs complètement débiles. Mourir. De manière complètement débile aussi. Putain, les ennemis réapparaissent pas? C'est marrant ça. Comment tu descends? On fait des wall jump? Ah non. Ça donne l'impression qu'on puisse descendre, mais je peux pas en fait. Je peux pas descendre, c'est bizarre. Ils ont peut-être oublié de mettre un truc. On peut viser vers le bas. Allez, une minute. Laissez-moi passer s'il vous plaît, merci. On peut faire ça? Oh. Ah. Non, je voulais pas aller par là. Bon, le fait que la... Genre là, je suis obligé d'attendre que l'autre andouille revienne. Voilà. C'est un peu chiant, ça, en vrai. Oh, c'est rentré, là ? Ah non. Ouais. Hein. Quel con. C'est chiant. Non mais reviens ici. Attendez. Y'a pas d'arnaque là? Ah non. Le saut est possible là-dessus ou? Les contrôles sont bizarres quand même un peu. Bye.
C'est très bizarre. C'est pas mal, mais c'est très bizarre. J'adore dire que le jeu... Je pense pas que le jeu soit mauvais. C'est juste que les choix de contrôle sont... Comment je pourrais décrire ça? C'est genre... Attends, mais il m'a remis dans le... Ah non. C'est pas un mauvais jeu. Mais... Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est le bordel, hein. Vous voulez... Oh non, j'arrive pas. J'essaie d'avoir un dash, mais il veut pas me le donner. Donc en fait, c'est une glissade, mais... Ça, c'est le bordel, hein. Ce genre, vous pouvez aller super vite, mais limite trop vite. En fait, c'est genre un... En fait, j'imagine... Pour moi, c'est... Ça pourrait se résumer en... Comment vais-je dire? Un speedrunner a voulu faire un jeu et il a un peu abusé, quoi. Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des trucs complètement what the fuck, mais... Putain, quel enfer! Ah merde, il y avait des idées. Oh bah je suis remonté, dis donc. Ça par contre comme mécanique de déplacement, c'est plutôt cool. Le fait de pouvoir utiliser notre... je sais pas ce que c'est... Cloche. En tout cas, si vous voulez jouer à un jeu speedrunnable, je crois que celui-là, c'est bon. T'as quel bordel, quoi. Ah. Attendez, ça m'a fait 2 points de vie, ça. On est moins qu'un point de vie. Je suis allé un peu comme un bon au début, j'ai mis. C'était précis, mais c'était pas voulu, hein, je vous le dis. Ah, ça j'ai déjà fait ça.
Qu'est-ce que c'est ? D'accord. J'ai pas compris comment on descendait là. Là on peut pas. Alors faut faire deux fois bas? Non. Ah, c'est rigolo ça. On doit pouvoir descendre à un moment donné. Quand même. J'ai vraiment aucun bouton qui permette de descendre. Genre, j'en ai aucun quoi. Je peux m'accroupir tout ce que vous voulez, mais descendre, je peux pas. Ah, si je peux. Ah, ok, d'accord. Ah, il doit y avoir un raccourci à la con alors de l'autre côté aussi. Je suppose. Ah ouais, c'est assez fun, hein. Après, c'est spécial, hein, parce que les contrôles sont vraiment bizarres, hein. Faut aimer les contrôles, hein, vraiment. Comment tu montes aussi haut? Ah, je voulais pas atterrir là. Ah, c'est chiant vraiment. Bon, il n'y a pas de vie apparemment dans le jeu, ce qui est pas un mal, hein, parce que le système de vie, ça pourrait ne plus exister, ce serait bien. Hein. C'est une bonne manière de montrer la mécanique dans l'absolu.
Ah, c'est clairement un jeu qui est fait pour être speedrunné. C'est là, là le fait de changer de côté, ça servait limite à rien. Ça servait jamais à rien, en fait. Ça servait à rien. Donc, du coup, bah, en fait, c'est juste pour arriver plus vite d'une salle à une autre, quoi. Bon, les contrôles sont vraiment bizarres. Puis je suis un peu nul aussi. Hein. Je crois. Hein. Il y a une clé là. Je crois avoir une idée de comment on y va, mais. Il y a un truc. Voilà, ici. Ah! Je sais pas à quoi elle sert, mais je l'ai. Ah non, mais elle servait là, la clé, en fait. Ah oui, je la vois. Enfin, je vois le... Ah, du coup, j'ai pété la clef. C'est sûr que je peux aller la récupérer. Ah oui, je peux la récupérer, quand même. Ah mais Queen, je peux pas supporter ce gars. Hein. C'est... Je pense que si on pouvait définir le cancer de Twitch, il serait la définition même de ce que c'est le cancer de Twitch, quoi. Le mec est riche en crevé, il fait n'importe quoi avec son argent, mais il continue à en faire plein sur Twitch parce que les gens l'aiment bien, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et voilà. Oh. Je comprends pas, hein. Autant il y a des gens, je ne comprends pas leur succès, mais c'est parce que c'est pas ma cam à moi, tu vois. Autant lui, son succès, je n'ai jamais compris. Ah merde. Ah, oh, c'est pas rien. J'imagine qu'il faut bien des streamers pour des connards, quoi, donc et vu qu'il y a des connards, il y en a beaucoup, bah... Ah, ça redonne que un seul point de vie, un checkpoint. C'est triste. Taylor One, il a changé dans l'absolu. Taylor One, il a un petit peu changé, il est devenu moins... Après, c'est pas du tout, c'est pas ma cam non plus, hein, mais... Taylor One, il était... Je l'aimais pas du tout avant, c'était vraiment quelqu'un qui était impiffable. Et il a un petit peu changé, donc... voilà. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Huh?
Quel con. Et à un moment donné où je le tue en fait ou Ah faut que je lui saute dessus à chaque fois. Ah bon ok. Ah! Un autre emmerdeur. Après voilà, il y a des gens sur Twitch que je n'aime pas et puis voilà quoi. Donc je la garde point, point je la garde pas point barre quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. J'en fais exprès pour dire la démo c'est fini, c'est ça? On peut pas skip les messages, c'est terrible, c'est un jeu qui se joue vite mais on peut pas skipper les messages? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Merde! Peut-être de la merde. Elle peut nager. Ah non, c'est ce genre de nage. Oh non, l'enfer. Ah! Sympa. Ah, on peut faire ça? J'ai pas du tout nagé comme ça en plus, hein. Ouais, je suis mort et j'ai plus la clé, super. Pas se faire chier finalement. Putain, mais... En fait, c'est un truc qui est super con dans le jeu, par contre. Qu'est-ce qui m'a touché? C'est que... On est en train de descendre dans l'eau, mais faites baisser la caméra, quoi. Je sais pas. En fait, ça, c'est un truc qui me rend dingue. Ça fait des années que on fait des jeux vidéo, et les gens n'ont toujours pas compris que si on veut aller en bas, faudrait peut-être faire en sorte que la caméra aille vers le bas, non? Non?
Et je dis pas ça que pour ce jeu-là, hein. Je dis ça pour tous les jeux, hein. Oh, je vais mourir, très bien. Ça dingue qu'on se dise pas tiens, mais même pour les phases de plateforme normales, hein, c'est... Bah non, c'est... Toujours... Bon, il y avait un personnage que j'ai, à qui j'ai pas parlé, à qui fallait donner à bouffer apparemment, mais... Il faudra revenir plus tard, j'imagine. Non, pas l'eau. Aïe. Ah d'accord. Et du coup j'arrive là, j'imagine. Ah bah évidemment. Ah mais le jeu aime bien me faire revenir d'accord. Ah oh, ça a encore failli mal se baser cette histoire. Ah d'accord. Non. Pas les schtroumpfs. Je sais pas ce qu'apportent les roses. Ah! Tout à l'heure j'ai rebondi dessus, là j'ai pas pu. Ok. Ah donc on peut pas, ok. Ah, sympa. Mais... Comment on passe du coup? Ah faut le tuer alors. Pas les schtroumpfs. Bon, j'ai mené quelques 5 niveaux du coup. Dans la démo, enfin que c'est déjà bien.
C'est un ah d'accord, je veux dire, il y a une arnaque ou quoi, mais non. Rien du tout. Oula! Il allait vite ce boss, ce mob. Oh. Je me demandais ce qu'il y a une mécanique avec la lumière, mais pas du tout en fait. Ah d'accord, ah oui ça monte quand même. Vous disiez tout à l'heure on n'a pas vu le truc monter mais là ça monte, effectivement. Ah, faut pas traîner hein. Pas trop traîner quand même. Ah non, pas de l'eau encore. D'accord, j'ai lu un bouquin, super. Ah ah. Et donc, premier niveau, j'ai pas eu toutes les roses. Je sais pas à quoi elles servent donc. Ah. Oui. Les pièges, je sais pas à quoi elles servent. Mais elles sont là. D'accord. Ah, il fallait lui sauter dessus, j'imagine. Bon, les boss, ils sont discutables, tout au plus. Ah d'accord, c'est le dernier niveau de la... Ah, il y a plusieurs types de pièces. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je suppose que c'est tout, hein. Ah, c'est toujours un truc caché. Et voilà. Bon. Ah, quoi qu'on peut parler au chien? On peut parler au chien. Ah, on peut acheter des trucs au chien. Et on can pet the dog. Wow!
Ouais, non. Ok. On sait quand même pas aller plus loin. Ok. Bon bah c'est pas si mal. Après les contrôles sont... comment dire, étranges. Mais c'est pas si mal. C'est franchement pas si mal. Ok.